Bonjour. 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 Vous allez bien? Oui. Ouais. Oui. Vous êtes en vacances maintenant? Oui. Ok, cool. Ouais. Vous profitez bien? Oui. Ouais. Oui. Ah ouais? Alors, mon but est de connecter le Japon et la France. Maintenant, je fais goûter des produits japonais en français. D'abord, je vais poser des questions sur le Japon. Mm-hmm. Après, je vais expliquer la signification. Mm-hmm. Alors, la première question. Quelle est la capitale du Japon? Tokyo? Non, c'est la Tokyo, je crois. C'est un piège. Le Japon. Tokyo. Tokyo, exactement, c'est facile. Alors, là. C'est Tokyo, hein? Vous êtes sûr? Oui. C'est correct! Ah ouais? Bravo! Moi, je pensais qu'il y avait un piège. Non, c'est pas un piège. Est-ce que vous connaissez d'autres villes que Tokyo? Ouais. Kyoto. Kyoto, oui, exactement. Osaka? Osaka, oui, exactement. Hiroshima? Hiroshima, exactement. Et Tokyo, Kyoto, Hiroshima. Oui, moi, j'y suis allée, on a fait. Oh, d'accord, voilà. Vous êtes déjà allée au Japon? Deux semaines, oui. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est très propre et c'est très agréable de se promener dans les villes de manière générale. J'aimais bien aussi trouver des temples un peu cachés ou parce que des fois ils sont pas vraiment notés pour les touristes du moins. Ou trouver des petits temples ou des petits endroits un peu plus calmes, c'était assez sympa aussi. Melon soda. Oui, avec raisin. Tamremoto de grape. Quel est le drapeau japonais? Ciel. Vous êtes sûr? Oui. En regardant cette image, c'est pas correct. Ah, c'est 3 du coup. À la limite, toi tu dis 3 et moi je dis 2 comme ça. Oh. 実はこの後のクイズがめちゃくちゃ面白くて盛り上がってんけど長すぎるからまた別の動画にしようと思うからとりあえずチャンネル登録だけお願いします。Ensuite, aujourd'hui, j'ai apporté un gâteau salé traditionnel japonais. Il existe depuis 120 ans. C'est un peu en chaîne. Ah, ok. Ouais. Au Japon, les enfants en mangent pour le goûter ou les adultes en mangent en buvant une bière. Ah, ouais. Ok. Le gâteau salé s'appelle Ebisen. Comment? Ebisen? Ebisen. Ebisen. Oui. Est-ce que vous avez entendu? Non. Ah non, je connais pas. Moi aussi. Le nom nous parle, mais on ne connaît pas spécialement. D'accord, d'accord. Ouais, ah. Alors d'abord, je vais poser des questions. Pardon. Ah oui. Merci. C'est trop mignon. C'est trop mignon. La princesse du bambou. Ah, exactement, oui. Toutes les images correspondent à une histoire japonaise. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'aspect et de l'emballage? C'est mignon. Ouais. Mm-hmm. Et kawaii. Kawaii. Ouais, kawaii. Ouais. À votre avis, juste avec l'odeur, vous pouvez deviner le goût? Ça sent rien. Pas du tout. Moi je dirais qu'il y a du riz dedans. Non, non. Il n'y a pas du riz. C'est du poisson? Ouais. C'est bête. Petites herbes, il y a de l'algue? Ah oui, exactement, un petit algue. Ouais. C'est les morceaux là, verts. Oui, exactement, c'est le morceau de c'est l'algue. Ouais. C'est la crevette. Ouais. Ah, de la crevette, d'accord. Ouais. À l'amidon de pomme de terre. D'accord. Ouais. L'amidon de pomme de terre. Ah, ok. Ouais. Ouais, c'est bien les choses. Mm-hmm. Oui, il n'y a pas de produits silicone. D'accord. C'est tout nature. D'accord, ok. Vous pouvez déguster. Merci. Déguster? Oui. Oui. Mmh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mmh. C'est léger. Mmh. Je pensais que j'aimerais pas, mais en fait ça va. Mmh, là, c'est bon. Pas mal. C'est pas mal. Vous avez déjà goûté gâteau salé comme ça? Non. Des gâteaux salés comme ça?
non. Personnellement. Plus à l'apéro. Ah oui, c'est à pour à l'apéritif. Ouais. Vous attendez à ce goût-là? Je m'attendais à ce que ce soit plus fort, mais je préfère comme ça. En fait, l'odeur est assez forte, du coup, on pense que le biscuit aussi sera fort, et au final, ça va, c'est assez léger, ça se sent bien. Est-ce que vous pensez que ce gâteau salé peut être populaire en France? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pour changer. Après, on est de plus en plus à la culture japonaise. On mange beaucoup asiatique en même temps. Je sais pas trop si ça pourrait être populaire. Peut-être si on servait dans des bars un peu comme apéritif, peut-être. Ouais. Vous pouvez donner une note sur 10 en japonais. Je dirais peut-être 8. Oui, c'était une 8. 8, c'est bien. 7 sur 10. Moi, 7 sur 10. Ouais. Moi, c'est 7 aussi. 7. J'avais 8. 8 sur 10. Ouais. Oh, c'est pas mal ça. Vous pourriez en acheter? Ouais, pourquoi pas. Vous avez des questions pour les Japonais? Bah, est-ce que vous mangez des trucs français au Japon? Vu que le Lolita ça vient du Japon, est-ce que vous aviez déjà vu des Lolitas au Japon? Les filles, merci d'avoir accepté mon interview. Bah, merci de rien. Merci d'avoir accepté mon interview. Merci à vous. De rien, merci beaucoup. Bon vacances, profitez bien. Merci. Okay. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Chanteuse japonaise. Forcément, comme on a commencé par les animés, ça va être beaucoup des groupes comme l'Arc-en-Ciel ou des groupes comme ça.